Je vais commencer ma première vidéo sur une série spéciale débutant pour le cartonnage. Voilà, je vous avais promis. Donc, je vais les faire en plusieurs parties pour pas vous bourrer le crâne. Ce sera plus simple. Et comme ça, vous aurez le temps de prendre des notes si vous le souhaitez ou voilà. Donc aujourd'hui la vidéo va être ne sera pas trop longue parce que je vais juste vous parler du matériel dont vous avez besoin pour faire le cartonnage et sur la prochaine vidéo je pense qu'on parlera des tissus des voilà tout ce qu'on peut utiliser ben, sur notre cartonnage. Et bon, là, je vais essayer de vous parler du carton aujourd'hui, je vais voir. Ou sinon, je vous parlerai du carton et des tissus sur la prochaine vidéo. Voilà, bon, on va voir. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je fais toujours mes vidéos à l'arrache. Je ne prépare jamais rien. Mais bon. Alors, pour le cartonnage, on a besoin de matériel pas onéreux, je vous rassure. Le matériel en lui-même n'est pas très cher. Comme vous avez vu dans une vidéo auparavant, vous pouvez même aller l'acheter chez Action. Donc, il y a aucun souci. C'est pas ce qui va vous coûter le plus cher. Voilà. Ce qui va vous coûter un peu plus d'argent après, ce sera les plaques de carton, le tissu, bien sûr. Là, c'est le budget, le plus gros budget pour faire du cartonnage. Donc, pour faire du cartonnage, il va vous falloir certaines petites choses. D'abord, un tapis de découpe, hein. Donc, essayez de le prendre. Bon, là, moi, le mien, j'ai essayé de le prendre grand, mais moi, le mien n'est pas très grand. Le mien, pour l'instant, c'est un 50. 56, 57, 50, c'est un 58 cm sur 40, non, c'est un 57 cm, pardon, sur 42 environ, donc qui n'est pas très grand, mais je voudrais en trouver un plus grand. Donc ça, je verrai par la suite. Donc là, est-ce que j'en avais un autre? Oui, voyez, donc. Là, il est tout crade. Oui, donc il faut que vous preniez un tapis de découpe. Ça, c'est obligatoire. Sinon, votre table, ben, elle va être morte. Hein. Donc, il faut que vous ayez, comme je vous disais, un tapis de découpe. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il va vous falloir des règles. Tout au moins deux. Bon, moi, j'en ai plusieurs. Mais tout au moins deux règles. Donc déjà la règle toute simple comme celle-ci, vous voyez que je vous avais déjà montré lors du haul spécial cartonnage de Action. Donc celle-là c'est une 30 cm. Voilà. Donc moi c'est pareil, là je vais en reprendre une bientôt, mais là je ne pourrais pas la prendre chez Action parce qu'ils ne l'ont pas. Je vais me prendre une 40 cm. Pour faire les grandes, parce que vous voyez en ce moment je coupe quand même des très grandes plaques et celle-là est un peu courte pour moi. Donc mais celle d'Action aussi en 30 cm vous suffit largement pour débuter. Voilà, et en plus elle a un petit caoutchouc derrière qui empêche un peu de déraper. Voilà, donc il vous faut déjà une règle comme ça, donc c'est une règle d'écolier, hein, toute simple. Ensuite, alors moi j'en ai, là j'en ai une grande et j'en ai une petite. C'est les règles millimétrées. Voilà. Donc j'ai des règles extra plates, hein, là qui commencent. Alors là par contre, vous voyez ici, le zéro ne commence pas au bord, hein, il commence là, à 1 cm du bord. Par contre, là, le zéro commence vraiment ici au bord. Voilà, donc c'est ce qui est pratique avec cette règle, c'est
c'est que au moins vous vous mettez au bord de votre carton, vous savez déjà que vous êtes droite, à peu presque droite, hein, et puis vous savez que là vous êtes à zéro au bord. Donc là moi j'ai une 50 cm et j'ai une 30 cm. Voilà. Bon, elle a fait son temps celle-là, mais bon, j'en ai encore une autre, mais qui est encore beaucoup plus vieille, je crois. Ouais, vous voyez, celle-là, elle a fait vraiment son temps, celle-là. Elle est toute rouillée, regardez. Voilà, donc une 30 ou une 50 ou une 40, hein, c'est suivant votre budget. En sachant que la 50, c'est vraiment bien parce que là, vous pouvez tracer une plaque complète presque sans problème. Et celle-ci, c'est vrai que c'est bien parce que bon, là, au début, voilà, ici, vous voyez, bon, là, vous avez les millimètres, hein, mais ici, vous avez des demi-millimètres au début. Donc, ça vous donne vraiment une très grande précision dans les découpes. Mais ça, bon, comme je vous ai dit, pour démarrer, vous embêtez pas. Même si c'est qu'une comme ça, ou que la règle d'école, ça vous suffira. Voilà. Ensuite, moi, j'avais pris, ça, vous l'avez vu lors du haul. Donc, j'avais pris cet équerre à bulles. Et ça, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter ça, hein, surtout pour démarrer. Moi, j'ai pris cet équerre à bulles parce que bon, là, c'est pareil. Je commence à faire de grands cartonnages et donc ça me sert. Donc ça, j'avais eu Action. Hein. J'en avais une grande et une petite. Vous voyez. Mais là, ce n'est pas du tout obligatoire. Pareil, vous prenez une équerre d'école, ça vous suffit. Donc voilà. Donc, la première chose à avoir, c'est le tapis découpe et la règle. Ensuite, il va vous falloir un crayon. Essayez de prendre un HB, parce que le HB, il se gomme très bien. Avec un taille-crayon, bien sûr. Bon, c'est celui-là, mon taille-crayon. Vous voyez, c'est une chouette. Alors, le crayon, le crayon et bien sûr la gomme pour quand vous vous trompez, vous gommez le carton. Donc, ça c'est pour tracer vos traits hein, de cartonnage. Donc, ça c'est obligatoire. Hein. Ces trois choses-là, vous devez les avoir. Sinon, vous allez dans la trousse de votre gamin, il a ça. Non. Vous vous en achetez. Voilà, donc crayon gris. Prenez pas de bic hein, ni de feutre pour faire vos traits parce que comme je vous dis, si vous vous trompez, après vous ne pourrez plus gommer. Donc prenez un crayon gris pour faire vos traçages. Ensuite, comme nous sommes dans les traçages, on va prendre les cutters. Alors, l'idéal, c'est celui-là pour les débutantes. Hein. Vous voyez, bon, il y a les petits comme ça. Donc ça, c'est pareil. Moi, c'était un lot que j'avais eu à Action. Je ne sais plus le prix, mais bon, vous pouvez le revoir dans mon ancienne vidéo. Celui-là sera bien pour le carton. Et celui-là, ce sera bien pour les cartonnettes. Parce que c'est... Mais vous pouvez prendre que ça, hein. Cartonnette, carton, ça vous suffit. Hein. Ne coupez pas votre carton par contre au ciseau. Hein. Non, non, il vous faut absolument un cutter. Donc celui-là est bien parce que bon, ben, au moins vous pouvez le revisser. Il est vendu avec des lames de rechange, donc au moins, voilà. Donc, cutter. Donc, un cutter, ça vous suffit, mais si vous n'en prenez qu'un, prenez-en un gros comme ça, pour que vous puissiez couper toutes les épaisseurs de carton. Ensuite, vous pouvez avoir sous la main, bah,
Toutes celles qui font du loisir créatif, du scrap, tout ça, en ont un. Pour avoir sous la main un petit scalpel comme ça, ça peut servir. Mais pareil, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le cutter. Un petit scalpel comme ça, ça peut vous servir. Voilà. Ensuite, pour le traçage, j'ai oublié de dire, vous pouvez avoir un compas. Si un jour vous aimez, bon, en étant débutant, vous n'allez pas commencer à faire des boîtes trop rondes ou quoi. Un compas, donc ben, comme je viens de dire, si un jour vous devez faire des boîtes rondes, ou des motifs ronds, ou quoi que ce soit. Donc, un petit compas, pareil, hein, vous n'allez pas acheter le compas dernière génération. Les ciseaux. Alors, moi, je me sers que deux sortes de ciseaux pour le cartonnage. J'ai celui-là, hein, qui me permet de couper mes tissus. Voilà. Donc, c'est un ciseau que j'ai eu à Ikea, ça. Enfin, bon, il coupe très bien. Bon, là, il est un peu dégueu parce que je suis en train de faire la commode. Il faut que je le nettoie. Il y a un petit comme ça. Alors, le petit, il vaut mieux en avoir un. C'est pareil, on le trouve à Action, celui-là. pour couper les petits angles du papier craft ou le tissu. Donc, ça, il est bien utile. Donc, ça, ayez un petit ciseau comme ceci. Voilà. Il y a plein de colle dessus. Ensuite, un petit poinçon. Alors, moi, j'en avais un, mais je ne l'ai plus. Je ne sais plus où il est passé, mon poinçon. Il a disparu dans les méandres de mon atelier. Donc, j'ai une mini-vrille à la place. Voilà, vous voyez. Ça fait bien son boulot. C'est pareil. Donc, ça va vous servir à percer dans le carton quand vous allez devoir mettre des petites poignées, des petites breloques, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai ça. Mon poinçon, je ne sais plus où il est. Et bon, pour l'instant, je n'en rachète pas, hein, puisque ça fait le job. Donc, ça, allez voir dans la boîte à outils de votre mari. Il doit avoir ça. Ensuite, les pinceaux. Alors, les pinceaux. Bon, moi, j'utilise toujours des vrais pinceaux. Le pinceau colle, comme ça. Donc, ben, pour la colle, c'est ce qu'on sert surtout pour le serviettage, tout ça, ça. Donc, moi, j'utilise ce pinceau-là pour la colle. Aussi bien sur le carton que pour le tissu. Donc là, celui-là, j'avais eu à Cultura. C'est pareil, vous en trouvez un peu partout. Hein. Pour les très grosses pièces, j'ai des pinceaux comme ça. C'est vendu par 3 à Action aussi. Il y en a un moyen et un plus fin. Donc ça fait le job, hein, ça. Vous embêtez pas, vous prenez ça. C'est très bien. Ça, un petit pinceau comme ça, un petit vieux pinceau. Ou alors vous prenez le petit comme ça pour mouiller vos crafts. Et il existe ça. Mais moi, j'aime pas beaucoup travailler avec ça. C'est de la mousse. Mais vous pouvez faire la colle aussi avec ça. Mais moi, j'aime pas beaucoup. Voilà. C'est les pinceaux mousse. Il va vous falloir un pot pour mettre de l'eau, bien sûr. Un pot pour mettre votre colle. Moi, c'est un vieux pot de confiture. Hein. Je mets ma colle dedans et des pinces, voilà. Donc, alors les pinces, vous allez avoir plusieurs modèles, hein. Donc celle-là, les pinces crocodile comme ceci. Donc j'en ai des plus grandes, voilà. Les pinces à dessin aussi, ça fonctionne. Moi, j'en ai pas, mais ça fonctionne. Les pinces à dessin. Les pinces à linge, tout à fait. Ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Hein, vous prenez. Bon, là, c'est des mini. Hein.
Vous prenez des pinces à linge, ça va très bien. Voilà. Donc, tout ce qui peut vous servir de pince. Faites attention qu'il n'y ait pas des mâchoires avec des picots dessus, hein, pour ne pas abîmer votre carton. Donc, il vous faut des pinces. Niveau matériel, c'est tout. Après, il va vous falloir du craft. Voilà. Alors, le craft, c'est un papier gommé. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous voyez, ça brille. Donc, il y a une colle de ce côté-là. Donc, on va la mouiller avec de l'eau. Et la colle va se remettre. C'est ce qui va coller sur le carton. Voilà. Donc, moi, j'ai des gros rouleaux, hein. Je les achète à l'éclat de verre. Ça me coûte quoi un gros rouleau comme ça? 5 euros. Il y a plus de 200 mètres, je crois. En plus, je ne sais plus combien, mais il y a... C'est vraiment un très, très gros rouleau. Et en dernier... Bah, la colle. Sans colle, vous ne pourrez pas faire de cartonnage. Alors, moi, j'utilise celle-ci. Vous voyez, la Cléopâtre. Donc, c'est la vinyle... vinyle et colle. Donc, c'est la vinylique blanche. Vous voyez, on la voit à travers. Donc, elle est très bonne comme colle. J'ai jamais eu de problème avec. Donc, moi, je l'achète en gros bidon. Mais vous pouvez la trouver en bouteille comme ça, hop, comme celle-ci. Bon, là, c'est une autre colle Cléopâtre, hein, mais vous pouvez la trouver en bouteille comme ça ou en flacon plus petit. Ça, pareil, hein, vous trouvez sur Internet ou dans les magasins où il y a du loisir créatif. Souvent, ils l'ont. Genre Pickwick, Cultura, qu'est-ce qu'il y a encore, Zojo. Ouais, voilà, tous ces magasins-là... normalement, ils ont cette colle-là. Moi, j'ai toujours utilisé que celle-là. Donc, voilà. Et puis, après, il vous faudra du carton, bien sûr. Donc, ça, je vous expliquerai les différents cartons que l'on peut utiliser. Donc, le craft, je viens de vous le dire. Alors, les règles, la colle, le pot, le cutter, compas, ciseaux, pinceaux, crayons. J'espère n'avoir rien oublié. Je réfléchis. Non, j'ai rien oublié. Donc, voilà pour votre premier cours de débutante. pour que vous puissiez voir le matériel dont vous avez vraiment besoin pour faire du cartonnage. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo par semaine, je pense. Les autres vidéos, après, ce sera sûrement des tutos. Hein. Il y aura pas, je ne vais pas vous parler du matériel pendant 10 vidéos. Ce n'est pas la peine. Il va y avoir encore une ou deux vidéos sur le matériel, peut-être. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive pour vous, pour le cartonnage. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer, si vous voulez avoir des précisions sur le matériel que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, malgré qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de commentaires. Alors... On me fait la tête, les filles? On me boude? donc, non, sans rigoler, laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin de précision, de savoir où vous pouvez trouver un tel ou tel matériel, par exemple, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Je bégaye. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui avec cette vidéo. Moi, je vais continuer ma petite commode qui avance. Là, je suis au tiroir, donc ça avance.
Et après, une fois les tiroirs finis, j'attaque la décoration. Donc, ça va aller très vite après. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous.